Couldn't they have popped him in the suburbs? Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GTA 5. So what are you gonna do for me about Ames, the FIB, l'agence et tout le reste? Histoire écrite pour les vainqueurs, d'accord? L'agent Sanchez va porter le chapeau. Si ma version est à la route, l'agence et le bureau ne chercheront pas plus loin. Le vrai problème, c'est Trevor. Trevor? Pourquoi? Meriwether, la mafia chinoise, c'est crise de démence, fais ton choix. Je veux convaincre Steve que tu es contrôlable, Steve. Mais pas lui. Steve, c'est notre grand héros en ce moment. Je dois le calmer, faire ami-ami avec lui. Fais ce que tu as à faire. Ok, petite conversation avec Dave. Je vois que j'ai pas beaucoup de choses de disponibles. On va faire la mission Salomon. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Yeah, non. Non, Solomon. C'est pas Salomon. Sinon, on avait aussi Lester. Bon, on va faire Solomon parce que j'aime bien tout ce qui est cinématique. Allez, on va voir. On va au bureau du monsieur en question. Alors, j'ai l'impression. Merde. Excuse-moi. Je me suis aussi rendu compte que quand j'enregistrais, j'avais souvent une, enfin, ma voix était trop peut-être trop mise en devant. Depuis, niveau survie Minecraftienne et tout ça, je l'aurais peut-être fait, mais là, vu que j'enregistre tous les épisodes à la file, je ne l'aurais sûrement pas encore fait. Enfin, là, pour cet épisode, du moins, non, je l'ai pas encore fait. Mais du moins pour les prochains. Voilà, je le ferai peut-être. C'est de baisser un peu le. Ben, le. L'espèce. Enfin, c'est pas le volume, c'est le. Ben. La captation. La captation. Non, je sais pas comment on appelle ça. Ben. Pour. Quand le micro il enregistre, pour réduire l'intensité du son de ma voix, quoi. Pour pas que ça vous casse les oreilles. Hello. I am here for Salomon. Ça, c'est pour nous avoir mis ce vieux cinglé sur le dos. Vieux con. Le pauvre. On avait un accord, on avait signé. Faut te faire foutre, Johnny. Vous prenez pour des durs à taper sur un vieillard? Il n'y a que ce qu'il mérite. Non. Je crois, aidez-moi, choper ces raclures. Sac à merde. Je te chie dans la bouche. Il y a des vieux qui se laissent pas faire. Oh, faut le tuer. Allez, on va le tuer, Rocco. De toute façon, on a des bombes là. Merde. C'est compliqué. Non. Tu vas pas t'enfuir comme ça, mon gazier. Hein. Ça, s'il y a quelque chose dont je suis certain, c'est que tu vas pas t'enfuir comme ça. T'inquiète pas. Il m'en reste qu'une. Une, et l'unique est pour toi. Tu as de la chance. Et merde, je l'ai raté. On va essayer les grenades. Oh, les mines de proximité aussi, c'est bien. Raté. Merde, faut être devant pour faire ça.
t'inquiète pas. Merde, 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 merde. C'est lui qui va me tuer à force. Ça va être plus compliqué à rouler comme ça. Hein. Oui, t'es un gros dur. Ça t'apprendra, espèce de vieux con. Non. Ah merde, je crois. Mais j'ai les touches qui bug. Je vous promets, j'ai les touches qui bug. Voilà, ouais, j'ai bien un peu les touches qui bug là. Faudra que je change de manette. Bon, enfin bref. Oui, je crois que j'ai roulé avec la musique. J'espère que monsieur. Je suis un paraplégique, mais toi, tu ne sens rien du tout. C'est trop facile, Rebrunner, mais. En parlant d'accident, nos deux amis en ont eu un. Si seulement je vous avais rencontré il y a 20 ans, Michael, je ne serais pas dans ce pétrin. Ouais, moi non plus. Écoutez, je sais que c'est pénible, mais pourriez-vous passer au studio? Je voudrais vous montrer quelque chose. Oh oui, avec plaisir. Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Ouh, j'arrive tout de suite. Si c'est pour me montrer quelque chose, je veux bien. Petit problème de voiture, j'ai l'impression, hein. Pas de... C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas... Excusez-moi. Oui, petit problème de voiture, elle a du mal à passer certaines vitesses, j'ai l'impression. Une vitesse, elle a... Non, visiblement, ça se passe... Si, voilà. C'est la première qu'elle a du mal à passer. On va rester en seconde, c'est pas bien grave. Quand on ralentit, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, enfin bref, j'espère que monsieur YouTube va être gentil, il ne va pas me supprimer ma vidéo. Parce qu'il y aura un petit peu de musique sur le trajet, je crois, mais je suis pas sûr de toute façon. Hein. Je ne suis sûr de rien. Ouais, c'est quand je ralentis qu'elle fait ce bruit. En même temps, elle est dans un sale état maintenant. Hein. On a reçu quelques balles, mais bon, ça va. Je voulais les exploser, mais j'y suis pas arrivé. Il bougeait trop. Entrez, entrez. Entrez. Merci, merci, merci. Je suis peut-être fait pour l'industrie du cinéma, après tout. Mon ami, vous êtes un truand sentimental, sans aucune formation artistique, qui n'a rien d'intéressant à dire. Je dirais que vous êtes surqualifié. Bref, taisez-vous et regardez un peu. Oh la vache. Nom de Dieu. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir enfin fait quelque chose de ma vie. D'avoir accompli quelque chose. Un film. Bienvenue dans le showbiz. Un monde magique qui vous fera oublier la réalité. Très bien, Michael, venez. Je vais vous montrer quelques ruches. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Ok. Salut, chérie. Je voulais juste te dire que j'ai enfin fait quelque chose de ma vie. Je vais faire un film. Un vrai. Rappelle-moi. Très bien. Et bien en plus on le dit à notre femme qu'on a fait un film. Elle va être contente. Elle qui voulait enfin qu'on fasse quelque chose de notre vie, comme l'a dit Michael. Et bien on va pouvoir le faire. Donc là c'était juste le temps qu'on n'a pas réussi. Ce n'est pas bien grave. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec cette belle fin qui est donc... qu'on a fait un film, qu'on passe dans un film comme coproducteur de cinéma. Voilà. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour un assassinat de Lester. Allez, bye bye.